Le mur change très 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 vite. C'est le soir qui approche, donc vraiment. Voilà. Il faut un petit peu accentuer le mire sur herbe. D'ailleurs, le tableau est très lumineux. Je l'ai peint contre-jour, donc on ne voit pas les couleurs comme elles sont en réalité. C'est là on verra à la fin. Je tournerai le tableau vers le soleil, vers la lumière. Un petit peu de l'herbe rose. Tout est changé. Avant c'était... Tu vois, le ciel est absolument différent. Je sais pas comment il faut dire ça en français, mais... Le tableau, il a quatre coins, comme ça, quatre. Si ce côté-là, ici, ce coin-là, il est clair, donc le coin opposé doit être clair. Si celui-là doit être foncé, celui-là doit être foncé. Donc jamais il faut faire deux coins de tableau sur le même côté. Il ne doit pas avoir le même ton. C'est clair, et donc celui-là doit être foncé. Donc à l'opposé, donc si celui-là est clair, donc celui-là doit être clair, celui-là doit être foncé. Donc il ne faut pas inventer ça, mais il faut trouver les éléments dans la nature qui vous permettent faire ça sur votre tableau. Bon, je suis désolé pour le français, parce que quand je suis en Russie, j'oublie complètement le français, je parle encore plus mal que d'habitude. Là, il y a un petit personnage qui marche en robe rouge. Regarde, Sérieux, zim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 , les cousins chinois. Voilà, je l'ai mis ici. Voilà donc. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, ce qui est très joli aussi. Sur le tableau, on voit les reflets sur l'herbe qui est très clair. Une lumière qui joue sur l'herbe comme ça, c'est très joli. Oh. Les tableaux, comment je les peins? Je peins contre jour. Donc les vraies couleurs, je vois uniquement si je tourne le tableau sur le soleil, et ce sera à peu près comme ça, l'exposition ou à la maison. Bon, pardon. Voilà, il faut le voir de temps en temps, comment il est, et continuer à travailler. Sur place, on continue. La lumière est complètement changée maintenant, éclairage, donc j'ai plus le choix, donc il faut terminer le tableau. Mieux laisser certains détails inachevés que mentir, qu'inventer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Donc là, je vois que le nuage arrive, donc la lumière change complètement. J'essaie de faire quelques petits détails. Hop. Ah, là, votre dame qui est. Voilà, bon, et là derrière, c'est déjà assez fini. Tout est différent, toutes les couleurs. Donc, il est temps de s'arrêter. Tout est changé déjà. Voilà. Juste la peinture. Signé déjà. D'ailleurs, en Russie, il n'y a pas de tradition de
réconcilie pas le tableau des vents. Bon, donc à la fin quand même, bon, je tourne vers la lumière et j'ai fait le dernier touche sur le tableau. Quand là je vois tout, parce que je vois que par exemple là c'est un petit peu trop raide, il faut adoucir légèrement. Quand là c'est trop fort, donc plus quand là c'est fort, plus ça donne l'illusion que c'est l'objet est proche, prêt. Et donc comme l'église est assez loin, donc. Bon, ce tableau, on laisse comme ça. J'ai fini. On va chercher un autre sujet.